Et toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens résoudre encore un problème que j'avais créé. En fait, quel était le problème? Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé des voix off, comment créer un spot publicitaire avec une voix off ou bien faire une vidéo sur YouTube en utilisant des voix off. Voilà, quel était le scandale? Le scandale était que j'ai fait bien la vidéo, mais je ne vous avais pas donné le nom de l'application. Désolé, excusez-moi, ça peut arriver. L'erreur, elle est humaine. Voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne le nom de l'application. C'est pourquoi je refais cette vidéo pour te donner le nom de l'application pour ne pas avoir des mots de tête. Vous m'avez laissé plein de commentaires, c'est un résidu que je vais faire. Certains ne savent pas comment ils ont fait jusqu'à avoir mon contact, pour me contacter sur WhatsApp. Vraiment, vous êtes fort, l'équipe, vous êtes fort. Donc, je vous prie tout d'abord de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce chaîne. Donc, pour pouvoir réaliser un spot, c'est simple. Avec une voix off, vous pouvez utiliser votre voix pour. Même vous pouvez utiliser cette application pour générer des voix off sur votre compte TikTok. Vous voyez déjà, c'est vraiment un atout parce que cette application, elle ne nécessite même pas la connexion par rapport aux autres applications qui nécessitent la connexion. Vous devez avoir la connexion avant de générer des voix off. Donc, je dirais que cette application est une application qui viendra encore vous donner un plus aujourd'hui. Je vous prie alors de regarder cette vidéo attentivement et voir comment le tutoriel se déroule. C'est parti. Ok, la team, une fois ici, je vous avais bien dit pouvoir réaliser un spot publicitaire. Dans la précédente vidéo, il fallait aller sur Pexel, c'est-à-dire sur Pexel, pour pouvoir télécharger des vidéos libres de droits d'auteur, soit des photos libres de droits d'auteur, ce qui vous permettra de réaliser votre spot publicitaire, n'est-ce pas? Mais à la fin, je vous ai parlé d'une application que je n'avais pas pu donner le nom dans la vidéo. Et là, j'ai eu des tas de commentaires en demandant que quel est le nom de l'application. D'autres même m'ont écrit sur WhatsApp pour me demander cela. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je refais cette vidéo pour vous donner le nom de l'application facilement pour ne pas encore avoir des maux de tête au fait. Vous allez vous rappeler que j'avais dit sur l'application, se présentait comme ça. J'avais dit quoi ici? Que pouvait importer un audio pour pouvoir réaliser le spot publicitaire. Ça va changer en plusieurs voix. Soit écrire un script qui va générer une voix off aussi. C'est parce qu'il y a plusieurs voix off. Quand vous écrivez le script, vous allez cliquer sur plusieurs voix. Et vous allez voir que celui-ci, il est vraiment gratuit. Même sans être connecté, vous pouvez réaliser le spot publicitaire par rapport aux autres logiciels qui sont payants. Voyez un peu. Donc, restez attentif jusqu'à la fin. Je vous prie de vous concentrer. Je vais vous montrer l'application. Pour ce faire, c'est simple. Vous devez tout d'abord aller sur votre navigateur, c'est-à-dire sur comment on appelle votre application là, Google, c'est-à-dire Play Store plutôt. Ouais, sur Play Store. Une fois sur Play Store, vous venez dans les barres de recherche. Ok, ici tapez changeur de voix. Changeur de voix. Voilà, vous allez voir beaucoup d'applications nommées changeur de voix. Ok, beaucoup d'applications. Et lequel télécharger ici? Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Celui qui est en bleu là, c'est celui-ci que vous devez télécharger. Et là, vous avez justement, je l'ai déjà installé. Si vous devez l'installer pour pouvoir l'utiliser, vous allez aussi regarder les autres applications, voir ils ont combien d'étoiles. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne en fait. Ok, donc comme c'est fait comme ceci, moi je vais juste cliquer sur ouvrir, aller sur l'application. Voilà la famille. J'espère que c'est ça. Quand vous cliquez sur ouvrir, vous allez voir que l'application, c'est elle ici. C'est elle que je vous avais masqué depuis le début de la première vidéo. Donc, elle se présente comme ça. Ça vous permet de voir ce qui est lieu de faire, ce qu'il doit faire et tout ça. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Laissez-nous des commentaires si vous n'avez pas compris. Ok, j'espère que la vidéo vous a intéressé et vous avez connu le nom de l'application. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'oubliez pas de la partager massivement. Et c'est qu'il y a des ingrats entre vous. Des gens qui ne sont pas gentils, qui ne vont pas partager la vidéo. Alors moi, je fais de mon mieux. Mais ceux à qui ne voulaient pas parler de cette vidéo, ils feront bien la vidéo. Alors, à la prochaine. Bye bye.